Ouais. Bonsoir peuple de YouTube. On vient de faire un sanctuaire. Je suis fatigué. Mais je joue à Zelda quand même. Car c'est ça qui nous permet de tenir dans la vie. C'est un petit peu de Zelda. Alors ce sera peut-être une vidéo courte pour changer. Là j'ai joué juste une petite heure. Et puis je dis ça et au final on va jouer 3 jours. Mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est d'être des êtres humains. Voilà. Et si on est des êtres humains, je veux dire tout se passe bien. En plus l'économie a l'air bien sur WoW, pas comme FF14. L'économie. 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 C'est quand même un jeu de farmer hein WoW. FF t'es pas obligé de farmer pour jouer hein. Ah, beaucoup de trucs. Après, peut-être ils ont beaucoup amélioré le truc. Hein. Mais l'une des complaintes les plus fréquentes sur du WoW, c'est quand ils font des systèmes de gear qui demandent du grind ou du random et tout. Je crois que c'est Battle for Azeroth où tout le monde t'a pété un câble. Tout le monde parlait mal. Ouais, je crois. Merde, je suis pas du tout là où je veux être. Je veux aller là, moi. En fait, faire le tour comme ça. Merde, en fait, je confonds. En fait, je suis biaisé par... Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une tête de mort, je voulais mettre une couleur. Je suis biaisé par les trucs de fantômes que le jeu y donne, là. Que les chiens ont donné. Il dit oh mais j'aurai jamais le temps de l'atteindre. Oula, faut que je fasse gaffe là. Non, Légion, ça je peux t'assurer que Légion, tout le monde a kiffé. Non, c'est Battle for Azeroth, peut-être que l'histoire était bien, mais l'endgame, tu sais, comme quand dans FF14, quand on finit l'histoire et qu'on a le cycle de 2 ans en attendant la prochaine extension, ben c'était de la merde. Shadowland peut-être aussi. Après je joue pas au jeu récent. Mais je suis presque sûr de moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, faut ramener un Korok chez son frère Ashtad qui va mourir. Oh purée. Je suis embêté. Regarde. Un réacteur venu d'ailleurs. Oh. Après, il y a des petites choses, donc c'est pas plus mal. Moi, je peux tous les coller et les ramener d'un coup vers le truc. Oh, yeah. Il rend fou les déplacements. Ouais. J'espère que je vais pouvoir le diriger, le bateau, avec ce truc. Je sais même pas si ça marche hein, sur un bateau de diriger.
Ah ouais, ça marche. Alors je vais déjà désactiver parce que sinon je vais mourir. Je vais par des chaussures et des glaces. Le lutte. Ok, y a pas de lutte. Alors là, je vais mourir, c'est ça. Attendez. Peut-être sauvegarder et regretter. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un Korok là-dessus. Et que du coup, je me sens obligé d'y aller. Oh, attendez, je vais déjà ramener le Korok parce que je sens les bêtises arriver. Ou alors, je fais un autre truc. C'est que je note qu'ici, il y a un Korok. Et on se quitte mon ami. Putain, mais ma jambe est endormie. C'est abusé comment. J'ai le fessier tendu du coup. Dès que je m'assis un peu sur les fesses, genre couché, j'ai ma jambe gauche qui s'endort, donc c'est que c'est la merde. Ah oh, là maintenant elle veut même plus. Oh là là maintenant elle me fait mal, carrément. Parce que là elle veut plus rien savoir. Genre je tends un muscle et c'est la crampe. Est-ce qu'il y a moyen de me ramener du sang? Attends, je peux pas le mettre dans l'eau qui pète un câble. Allez, là il a de devenir fou là. J'ai mis dans le moins 10. Oh mon dieu, my leg. Konomi. Ouais, je pourrais remonter. Ah bah voilà, Korok. Je pourrais remonter par là. Effectivement. Je couche avec mon bateau, moi. Je savais pas qu'on pouvait faire des backflips. Comme ça, hein. Dans le ciel, je me vois comme une hirondelle. C'est magique, quelle sensation magique. Oh, je sais pas, je sais plus d'où ça vient ce truc que j'ai en tête. Ça me bouffe. Taras l'Octobaloon. Eh, venez ici les loots. Vous avez cru quoi? Vous avez cru quoi, oh? Peut-être pas, non. Oh merci. Merci mon dieu. C'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, un petit Korok d'abord. Ce jeu est tellement bien. Ouais, j'avais commencé. T'avais commencé, tu veux dire là maintenant. Avec le fait de jouer et pas à l'époque. Ça m'a un peu saoulé. Du coup, je savais qu'on pouvait changer de timeline. J'étais dans Shadow. Ouais, voilà, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Ah ouais. Non, mais c'est pas pareil qu'à l'époque, tu vois. C'est comme les mecs qui font la 2.0 ou qui font Heaven Sword et tout, tu vois. T'as ceux qui apprécient, qui prennent vraiment le temps, et puis t'as ceux qui rush parce qu'au final ils veulent juste arriver à la fin. C'est pas vraiment pareil quand ça vient de sortir. Donc si ça se trouve c'était quand même bien. C'est dur de juger. Je me sens obligé d'aller voir et je vais tomber dans l'eau. Là-bas aussi il y a... En fait tout ça c'est des trucs de vent. Ouais, c'est le meilleur jeu. Ouais.
Non, F14 classique, ça sert à rien. Genre la 1.0. Non, c'est une idée de merde. Si on a détruit la 1.0, c'est pas pour rien. WoW, c'était parce que... WoW, faut pas oublier que c'était... WoW 2004, en 2004, c'était révolutionnaire. Hein. C'est une dinguerie. Il y avait déjà des MMO, il y avait déjà plein de trucs, hein, mais WoW, il a baisé tout le monde. Hein. Non, non, c'est une idée de merde. En fait, c'est même pas une idée. Ah, tu sais que je crois qu'il y a des gens qui avaient posé la question à Yoshida. Yoshida était en mode... Mais ils sont cons, quoi, les gens. Genre, moi, on m'a payé pour détruire ce jeu et maintenant, je vais le refaire. Ils sont malades. Après, je dis pas 2.0. Genre, FF14 2.0. S'il y avait FF14 2.0, moi, je serais trop chaud. Mais FF4.0, non. Non, laissez-nous tranquille. Pas mon chargeur à porter, juste laisser la manette mourir et à un moment quand elle mourra et que je mourrai parce que j'ai pas voulu... Oh, vous savez quoi? Vas-y. J'arrive. Le truc c'est que je peux pas brancher la manette. Ah bah génial. C'est que je peux pas brancher la manette sur... sur le PC parce que sinon elle est reconnue par Steam. Et en fait elle marche plus avec la Switch. Donc faut que je la branche avec un chargeur normal, tu vois. Là vous dites comment ça se fait qu'il a tiré le rideau, il a tout de suite branché. J'ai 15 000 prises derrière que j'ai branché sur ce mur. 15 millions de prises, littéralement 15 millions. 15 millions de milliards. Advance Wars. Advance Wars, j'ai un peu joué, hein. Trop bien le jeu. Enfin, peut-être une petite session, un de ces quatre, quand j'aurais un peu avancé sur des stages stylés. Où j'aurais plus besoin d'expliquer le jeu. Parce que je vais pas... On va pas streamer les tutos et les premières missions qui sont ridicules. Parce que c'est un jeu... Peut-être quand je vais débloquer le 2, on lancera le 2. Après, c'est vrai que je peux le débloquer quand je veux le 2. Il est lock au début pour les gens qui connaissent pas. Comme ça, ils font le 1 puis le 2. Mais en vrai, tu fais dans l'ordre que tu veux. Pourquoi je fais ça? Trouve un endroit où je peux marcher, plus ou moins, ici. Réfléchissons. Est-ce que ici il y aurait peut-être un truc, ou est-ce que je monte direct? Est-ce qu'ici il y a un boss, hein? Vu le délire. Je vais juste me rapprocher et utiliser mes lentilles pour voir. Ah, mes lentilles, mes lunettes. Le Korok qui est là, je l'ai fait, hein. Et le Korok qui est là que j'ai pas fait. Ah, je peux quand même monter du coup. Là je peux marcher là. Le jeu. Et le jeu vraiment. Le jeu qui se rend pas compte qu'en fait que tu peux marcher. Hein. Je connais pas les dénivelés. Merci. Et c'est bon là bro. Si c'était mis à grimper sur la neige, ça m'aurait énervé. On est en mode Zelda. Oh, les montagnes de la glaciation. The cold. The cold vie. Quand j'étais dans les montagnes en Suisse, j'ai trop kiffé. Hein. Je me croyais un peu pour... Je me voyais un peu dans ce jeu là. Ah. Là j'ai cru que c'était un Drake alors que c'était le tissu de la bannière. Brother, brother, you can walk, brother.
Nice. Hein? C'est nouveau ça. Mais pourquoi il... Pourquoi je peux pas le tourner comme je veux, what the fuck? En fait, faut que je débouchonne le tronc d'arbre. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Faut que je débouchonne le tronc d'arbre et du coup, en attachant ça sur le truc, ça va déboucher. Ouais, c'est ça. Je réussissais pas à le faire juste avec la main. Oh, faut le rocher. Ok. Oh, il s'est barré le bouchon, hein. Alors. Je vais retirer ça parce que je vois pas du coup. S'il y a des choses. Oh mais tu casses les couilles toi. Pas de mobs dans la plaine du coup. On ira quand même voir plus tard, allez, au cas où. Et ici en contrebas. Oh, il y a un linel. Ah, peut-être à se faire le linel. Un linel bleu en plus. Et un sanctutu. On va faire le sanctuaire. Comme ça, on a un point de TP. On va faire le linel bleu. On a déjà fait un linel rouge. On l'a fait sans utiliser forcément des armes fortes. Mais le truc c'est que sur les linels, tu peux utiliser des armes craquées quand t'es sur leur dos. Parce que quand t'es sur leur dos, ça prend pas d'endu. Mais ouais. J'ai pas mal d'armes de toute façon. Faire ça d'abord. J'espère qu'il va pas trop me faire des... me tirer dessus avec un arc à flèche de glace. De toute façon, si je suis proche de lui, normalement, ils font pas ce genre de merde. Voici le dragon de glace. Qu'il faut faire. Parce que c'est vrai que je check beaucoup les points d'intérêt. Montagne, quand je vois un camp, quand je vois des petites structures, mais il faudrait que je check aussi au milieu des plaines où il semble qu'il n'y ait rien, parce qu'il y a des linels, des lithorogues, des inox. On va voir comment ça se passe ici. Pas chaud de... juste cancel tout quoi. Nice. Où est tombé maintenant? Ça fait longtemps qu'on n'utilise pas le retour dans le temps pour quelque chose d'utile. Ok.
Et du coup... Ouais maintenant... change rien en fait ce truc là qui tourne dans l'autre sens, my bad. Je pensais que... Ah ok. Il y a eu un truc là qui s'est passé, hein. Alors attends. Nice le grésillement, j'espère que vous avez kiffé. Je comprends pas si c'est ça qu'il faut faire. Mais j'y crois à mort. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, what the fuck bro? Je peux pas juste mettre des fusées sur, sur la boule quoi? Ah bon, on peut pas utiliser des... Logique. Ah mais si, je sais comment faire. Je suis bête mec. Let's go, je suis bête mec. Ouais, du coup. Je peux pas juste l'arrêter en fait. Merde. Faut que je mette au moins le truc, je pense. Je crois que pendant qu'elle revient, je peux la choper. Ah ouais, mais elle revient trop vite, mec. Fuck, ok, ça la ralentit complètement en plus. Mais là du coup je peux faire ça au moins. Parce que c'est vrai qu'elle était lente de ouf. Ah mais là elle va avoir de l'inertie. Ah ben non. C'est vrai que en fait elle perd sa vitesse si tu... Ok. Mais ça fait aucun sens. Ah si.
Parce qu'en fait c'est pas... Ok, ça ne prend... prend pas en compte ce qui se passe dans le temps, ça l'arrête complètement. Non mais vraiment? Laisse-moi checker un truc, les boules elles tombent encore ou pas? Ouais, il prend full vitesse. Là si je le ramène un peu en arrière et que je stoppe, là il reprend... Ah oui, il reprend sans inertie. Bah oui, ok ouais. Je lui crée un nouveau vecteur. Ok, ok, my bad. Ils sont trop bien les... Ils sont trop bien ces trucs. Moi je peux pas. C'est une dinguerie. Le fait, en fait, s'il y a un bug, ici tu peux pas bouger trop la cam. Et si tu switches tout de suite dans la main, bah... Mais non, mais tantôt... Mais comment ça marche le bug? Pourquoi des fois je peux pas... Et des fois je peux... Je vais essayer de le recréer, comment j'ai fait? Là, je suis bloqué. Ouais, je sais pas pourquoi mais des fois c'est bugué. Des fois tu peux pas revenir. Mais il est où le pot du coup? Le pot magique. Ok. Brother. Ok, quand le pot se barre, ou alors je peux faire en sorte que... Non, je vais faire que la balle se barre. Ça, elle repasse forcément là où elle était. Puis je l'arrête, elle va tomber du coup. Le son full bugay. Désolé, j'aurais dû skip parce que je checkais un truc. J'ai eu le temps de Google le son, quoi, tellement le son m'énerve. Je crois que le dernier anneau d'endurance, on va attendre d'avoir vraiment 20 petits sanctuaires de fées, comme ça on a direct le troisième cercle. Ouais, je pense que ouais. Pour le fun. Alors le linel. Un peu d'action là. Est-ce que j'ai des bouffes de combat? Ouais. Je vais en prendre une quand je suis là-bas. Est-ce que je suis full vie? Ouais. Est-ce que je suis geared? Ouais. Je vais le faire avec son propre arc? Ouais. Est-ce que j'ai envie de faire une arme intestablement craquée vite fait? Non, parce que j'ai déjà des armes intestablement craquées. Je pourrais vite faire refaire ça. Parce que ça, c'est quand même une lame rigide qui résiste bien. Et qui avait pas un bonus d'attaque. Jusqu'à d'attaque sur épée de voyageur. C'était laquelle? Il y avait une épée régime. Ah, mais elle est là. 11 plus 13, j'ai mis. Bah, je vais la garder. Je vais faire l'amalgame. Et sur celle-là, je vais essayer de mettre un truc très fort. Alors qu'est-ce que j'ai de très fort? 30 cornes de griot de flamme, j'en ai 3. Ouais, vas-y hein.
Parce que quand même, c'est un truc... C'est un linel de glace, donc peut-être qu'il va pas kiffer. Et en plus de ça, c'est une épée qui a une bonne durabilité, allez. Ça me fait du 36. Et puis si nécessaire vraiment que je fasse un truc meilleur, je le ferai à la volée, ou je rechargerai. Je vais sauvegarder quand je serai pas loin de lui quand même. Ah, il est où ce con? Ah. Bon, est-ce que... Vraiment. Oh putain. Il m'a fait peur. Ce con. Et tu vois pas, respawn alors qu'il y a la lune de sang là. Ok. Et là il respawn, c'est devant moi. Ça me fait deux fois du loot, hein. Putain, je le savais. J'ai backflip, jeu de chiasse. Où est-ce que je le savais? C'est ça le vrai problème. J'aurais dû faire le linel et le refaire avec la lune de sang, ouais. Dommage. Ah bah, il est là. Mangiare, un petit truc juste pour les cœurs là. La sauvegarde. Et je vais mettre ce bouclier, allez. Et on va commencer avec avec cette épée. Merde. Ça commence bien, je réussis même pas à lui mettre le headshot de début de combat. Ok, ça à la lance déjà. C'est bon à savoir. Ok, nice. On va reprendre ça et mettre full coup gratuit du coup. Ok. Je vais remettre ça. Ok, il arrête pas de faire ça. Hein. Moi ça m'arrange. Hein. Vous voyez, normalement elle brille toujours. Oh! Le... Ok, ça... Y a plus le bug. On va tester avec ça. Peut-être qu'il y a plus. Ah si, vous voyez, elle a encore... Ah mais celle-ci, je devais déjà la réutiliser. Mais de toute façon, ça n'utilise pas de durabilité, c'est tout ce qui compte. Quand t'es sur son dos, quoi. Est-ce que j'ai déjà pété le... Oh, heureusement qu'il va m'en redonner un. Parce que j'en ai besoin pour les dragons, l'arc de Linel. J'avais pas mon épée, du coup il a backdash de... Il a pas backflip. Pourtant j'ai appuyé sur carré. Hein. Ça veut dire que ma manette elle veut vraiment plus rien savoir, faut que j'en rachète une.
Chutney. On lui va se casser. Yo bro. Le visage là. Nice. On va faire ça pour les dégâts. S'il va bientôt se briser, j'ai déjà switché. Comme ça, si je trouve... Parce qu'il y a des trucs dans le jeu pour réparer. Si c'est comme dans le 1... Non, mais ça réparait pas dans le 1, je sais plus. Je sais plus ce que ça faisait. Je pouvais pas réparer dans l'un avec les octos qui t'avalaient. Polorni, il changeait ton arme. Mais contre un truc de même level, donc c'était bien. Oh merde. Ok, ça c'est course et saut. Oh là, par contre, il était full bugué. Hein. Son dash. Oh vraiment, cette malchance sur les... Mais vraiment les headshots. Changer d'arme un peu. Normalement c'est sur ça que je mets les headshots moi. Voilà. Ce que je disais. Nice. Les linelles de base. Ah, il salvoir de chevalier. Arc du roi des bestiaux. Corne affilée de linelle bleue. Corne briseuse de linelle bleue. Oh là là. J'aime beaucoup, 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 beaucoup mon cher Sangoku. Ça valait la peine. Ça valait la peine, ça valait la peine, ça valait la peine. Heureux sont les gens qui lootent des linelles bleues. La vidéo fait 40 minutes. On va essayer de faire 1h30 quand même, allez. 2 fois 40 minutes. On va aller vers le nord. On va essayer de finir la boucle. Je sais pas. On en est où dans ce désert quand même? Dans ce désert de glace. Quelque part, il reste que ça. Hein. Faut que je retourne à ces montagnes quoi. À travers ici. Ah, t'es bien, signal bleu. Ouais, bon, lui, est-ce que j'ai envie de. Vraiment, parce que t'es présent, quoi. Et que ce serait désagréable de pas te. Pas t'assassiner, quoi. Mais tu n'es littéralement personne, hein. Monter là-haut. Mais ouais, par exemple, en gros, le linel là, s'il avait drop un truc qu'on peut pas ramasser, ça te force à faire une arme. Alors que là, les trucs que le
Iné la drop, bah, je pense qu'il les utilisait tout de suite. J'ai envie de trouver une arme de base qui sera forte avec. Maintenant que j'y pense, j'ai le long bâton solide. Mais le truc c'est que ça va faire qu'une 30, ça fait pas beaucoup de dégâts mais ça a une bonne durabilité je crois. Sursaut et offensif. J'adore sursauter mec. C'est un peu mon indo. Par contre ça... Si je pouvais récupérer juste le saphir mec. J'aurais préféré qu'il drop une épée et un saphir plutôt que le truc fusionné tu vois. J'ai vraiment aucune envie. J'avais peur que juste de proximité... Je sais pas viser mec. J'avais commencé la vidéo avec 300 et quelques flèches, là j'en ai plus beaucoup. Faut que je me refasse dans les... Dans les loots de flèches. Hein. Je recasse des caisses et tous les trucs de base du début. Parce que vu que j'ai atteint les 300, j'aimerais rester dans les 300 plus quoi. Là on est dans le high 200 mais bon. High. Qu'est-ce qui me bloque? Laisse-moi vivre. Oh le loot. Loot camouflé. Allez, comme ça on se dit qu'on a t'avais fait quelques trucs, je vais mettre une épée. Allez, par là et monter sur la gauche. Ce truc là monte en l'air. Parfait. Ça va me permettre d'éviter de monter moi-même. Ch'toum. Tadadada, si haut dans le ciel, barre-toi de là, la map dégueulasse. J'essaie de voir, mais pour le moment, on est bon à avancer vers le Korok qui est là. Qui veut. Oh putain, c'est en arrière le chien. Ah d'accord. Je vais te la jouer comme ça. Tu crois que j'ai pas compris ce qu'il fallait faire? Hein? Papadadam. Yahi! Oh, je savais qu'il dirait Yahi. J'avais une tête à dire Yahi. Un Litorok. Ça, je reconnaîtrais leur cadavre par. Et leur gueule parmi 100 cailloux. Tu me montres sans cul, je suis pas capable de reconnaître quelqu'un appartient à qui. Et tu me montres sans cailloux, tu reconnais le Litorok. Et ça, c'est beau.
En même temps, c'est logique. Comment tu veux que je reconnaisse les culs des gens? Je sais pas, je voulais prendre un exemple qui montre que je reconnais Litorok, mais ça n'a pas marché. Oui. Ouais, si. J'ai voulu piffer, mais en fait, c'est plus comme ça, je dirais quand même. Hein. J'ai voulu piffer, mais ouais, je dirais que c'est plus comme ça quand même. Mec, y a pas un... Ok, je pensais qu'il fallait plonger ça quelque part, mais bon. Je pensais qu'il y avait un trou au milieu pour mettre le point, mais en fait, non, ça sent en brique. Faudrait que je retourne voir le frère des Koroks là. Je sais pas s'il est retourné dans son village. Je sais plus ce qu'il nous a dit. Ou alors, non, il est toujours au camp du début. Hein. Il est toujours au camp du début. Le camp de le début. Fontez plus haut, bro. La lune de sang. Elle arrive, Link. Ah merde. J'ai pas de food. J'ai pas de food. De food acrobatie. Faudrait que j'en fasse. Hein. Pour ce genre de situation. À chaque fois que je le dis, je le fais pas. Quoique là, il y a peut-être moyen d'arnaquer le marché un petit peu. Ouais. Et ouais, mec. J'ai attendu la dernière seconde aussi. Comme ça, s'il glissait un petit peu, j'avais plus de temps. C'est moi où je refais la même bêtise. Non, ça. Marche. Brother. Ah, j'ai déconné en vrai, parce que j'aurais dû faire plus gaffe que ça. Parce que, mec, voilà, parce que... Ouais, juste parce que... Démerdez-vous pour comprendre. Oh, le Litorok que j'ai marqué. Ah, je suis monté plus haut. Ah, oh, bah génial. Je suis monté trop haut, vraiment? Oh god. Comment je peux faire pour descendre le combat et un truc qui me re-TP ici? Genre... T'as pas un petit sanctu là? Je réfléchissais à faire tomber un gros caillou. Mais je sais pas si ça stocke aussi longtemps dans la mémoire d'un objet, s'il est tombé ou pas quoi. Petit sanctuaire là. Ça c'est une épée qui fait du feu ou pas? Ouais. Juste l'avoir près de soi, c'est nickel. Là, ça prend du temps, mais bon. Où est-ce que mon... Où est-ce que ça fait du son, là? Oula. Oula. Oh merde, ça va pas congeler, j'étais sûr que ça le ferait. Bro. Oh, cette maltraitance animale. On va faire ça avec son truc. Hein. Un petit sanctu là! Ça se trouve, il est aussi en bas. Parce que je pense qu'il y a un sanctu ici quand même. Non? Je suis possédé? Très probable que je sois possédé. Hein. Ah, le Litorok que j'ai même pas fait quoi. C'est juste ça parce que j'ai la flemme de regrimper.
Je devrais faire un shield lance-flamme là. Soyons honnêtes. Avec celui-là. What? Faire des armes, ça? Sérieusement? Est-ce qu'on peut juste taper la glace? Non. Franchement, si je fais juste... Du coup, c'est mieux de juste faire ça, du coup. Pour moi, là, ça prend juste ma pile, hein. Il m'a niqué un bouclier pour rien quoi, 3 lance-flammes. Bon, ça économise, j'en ai utilisé 2. Quelque part je suis gagnant. C'est ce que diraient les faibles. Ah non, attendez, il faut que je les tue comme ça parce qu'ils drop des saphirs. On va vérifier, si j'ai 4 saphirs c'est que c'est gagné. Ok, j'avais juste eu de la chance de fou. Ça fait juste eu de la chance de fou, mec. J'adore ma vie d'artiste, mec. J'adore ma vie d'artiste. Rien du tout. Rien ne s'oppose à rien. Mais maintenant le Littorok, je suis trop loin. J'ai frère, on fait nappe. Faudrait que j'y aille, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'y aille via... Tu te rends compte que là je vais faire ça et je vais gagner. Car les lézardos, c'est eux qui mangent pas les os. Un boss caché là. Ouais. Faut dire que je suis jamais allé là, au cas où, mais je vais pas y aller maintenant. Je ne vais pas y aller. Contrefort de glace. Oh, je vais au pic derrière. Arrêtez de grésiller. Le problème c'est que je sais pas où il y a un sanctu là. Il me faut un sanctu pour me mettre bien. Peut-être il y a peut-être un caillou qui envoie en l'air. Là je dois grimper. Il faudrait un caillou qui envoie en l'air. Ou sinon je vais utiliser une fusée. Hein. Il y a des cailloux qui envoient en l'air. Non pas du tout. C'est un rocher. Ah ça peut-être. On tente. Ça peut être la salvation, ça. Ah non, pas si. Une fusée. Ça, c'est justement pour les mecs qui sont ici, qui galèrent, pour qu'ils remontent en fait. Il n'y a pas de mob, y a rien. Vraiment le no man's land.
Oh putain, c'était une montgolfière. J'ai confondu avec une plateforme qui monte. Une plateforme qui monte. Ma vie pour une plateforme qui monte, hein. Ok, ben... Construction rapide de sauvetage ambulant. On va essayer de mettre deux lance-flammes. Merde. L'un à côté de l'autre pour décupler le feu. Décupler le feu. Décupler le feu. Je t'en supplie, je t'en supplie. Pas une autre fusée? The fuck, quand j'ai eu peur là? Oh le bâtard, j'ai plus de shield? Ah bah oui. I am cramming. I am cramming. We cramming, we cramming, we cramming. I am cramming. We I am cramming. We cramming, we cramming, we cramming. J'aurais pu monter un peu plus haut, mais bon. I am cramming. Oui, I am cramming. We cramming, we cramming, we cramming. J'allais me faire plus de... Me faire plus de batterie aussi. Hein. Ah, les plateformes qui montent, je les vois, je les vois. Arrête là! T'es gênant, Link. Zelda. Il est gênant ce gars. Oh, il est gênant. Oh, il est gênant. Oh, il est gênant le voir avoir besoin de grimper ou de marcher, quoi. Quoi? C'est pas possible. J'y crois même pas. Pff, quel tafiole. Ce Link. Genre il atteint même pas ça avec des jumps. Alors que c'est littéralement un rebord. Tu veux faire tenir tout là-dessus. Faire tenir l'univers en équilibre. Pas génial hein. J'aurais préféré mille fois un Korok. Yes, ça c'est quand même pratique. There is no sang que tu tues. There is no. Sang que tu tues. Sang que tu tues. There is no. Sang que tu tues. Sang que tu tues. There is no, sans que tu tues, sans que tu tues. There is no, sans que tu tues. Pas de sans que tu tues là.
Bah, c'est... En plus, il y en a beaucoup plus dans le jeu, je crois, des sanctuaires. Il y en a 150. J'ai lu. Et j'en trouve pas. Y'a qu'à moi que ça arrive, ça. Genre, j'en ai fait combien depuis aujourd'hui? 4. C'est ridicule. Après, faut être malin en vrai. Utiliser les nouvelles mécaniques de Zelda pour se déplacer. Mais moi, je suis un mec à l'ancienne. J'aime bien courir et grimper. Et me plaindre. Et c'est là-bas, ça. Et si tu glisses. Je te jure. Y'a quelqu'un ou y'a un croc? Y'a un rocher à ramasser. Yahi! Ok, ouais, on va. Pas de sang que tu tues. C'est abusé! Ah oui, il arrive au sang que tu tues. Oh, je suis venu ici. Je suis venu là. Et on va dire là aussi. Comme ça, c'est marqué. Ah. À quoi ça sert, vous pensez? Putain. Bro. La fois que j'en tue un. Corps de moblin noir. Un lézard d'os. Pourquoi je libère des ennemis? On dirait les prisons en Europe. J'aurais fait un feu et j'aurais mis un truc, ça aurait pris 10 fois moins de temps. Pas d'arc, mais what the fuck les arcs, les gens. Ah merde, je pensais que j'allais mourir direct de ça. Il est bleu, mais il est pas de glace. C'est quand tu veux pour Deep Hop. Ah, mais ça, du coup, c'est bien sur les espadons. C'est ça qu'il me disait Tanshi. Cœur de lézard fausse bleue. Tanshi.
J'ai vraiment des idées de merde hein, quand même. Forcément, le loot tombe là où je peux pas aller le chercher parce que je peux pas déconner. Je vais pas aller là. J'aurais dû faire le Littorok direct hein. Faut croire que jamais on va aller le chercher hein. Ou alors avant de finir aujourd'hui je vais faire le Littorok. Avec en TP depuis la tour. Alors les flèches par contre au bout d'un moment... Mais en fait sans l'arbre qui m'indiquait les solus, c'est dur. Faut que je marque les arbres de les arbres de la tricherie. Je crois que l'arbre de la tricherie, il était là. Et je vais mettre une étoile. Ouais, les arbres d'invocation de la tricherie, c'est cheaté. Parce qu'il te montre tout. Il te montre tout, du coup c'est tellement plus simple. On va aller vers cette flotte là. Et pour ce qui est de ce qui se passe ici, on ira peut-être après. Il est où le marqueur bleu? Il est quand même loin, donc il y a l'espace là, faut aller par là. La priorité. Là, 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 là. Ah, il y a une grotte. Ok, il y a un chuchemur magique. Et tant qu'il n'y a pas de sanctu en haut d'un truc. Ah! Effectivement, là il faut aller. Mais c'est peut-être un sanctuaire. Hein. Ouais. Ouais, peut-être un peu trop joué. Hein. Toi aussi ça bouge pas. Hein. Vous bougez, c'est comme il dit mon pote à la New Prime. Ça bouge pas, des fois faut bouger. Hein. Aujourd'hui on était au téléphone, il me disait peut-être que des fois je vais sur ton stream, t'es encore là. Puis le lendemain je suis sur ton stream. À des moments random, et t'es là, t'es encore là, shirt noir, béret. Et t'es en mode tu bouges pas. Puis il arrive, il met dans le chat, ça bouge pas. Hein. Bah, c'est vrai qu'il faut bouger des fois. Hein. Faut bouger, faut pas rester là. Mais purée, ça bouge pas. Bro, c'est celle-là. Hein. Mais je pense que après le week-end, le gros week-end de 4 jours qui arrive là, où ça a vraiment pas bougé, je pense qu'après on sera libéré. Parce que faut quand même se délibérer du bougisme. Parce que bientôt il y a FF16 et on bougera pas non plus. Donc, faut pas trop pas bouger. Du coup, faut bouger quoi. Bah. Le pire c'est ce qu'il m'a dit, mais elle note aussi, hein. Il me fait comment ça, je fais j'arrive sur le chat, t'es là, je te parle, il y a toujours elle note qui dit un truc. Il me fait lui aussi ça bouge pas hein. Ah enfin un sanctu. Il fait ouais c'est la vie qu'on a choisi. Là et plus que ça, parce que vous avez pas la PS5, ça arrêtez monsieur. Commencez pas à me faire la phase. Hein. Faites pas les phases des mecs là. Faites pas les phases des mecs. Soyez des types. Merde. Gros gourdin solide. Hein. J'ai pas la hype surtout car j'ai regardé sur le jeu. Oh, commencez pas à faire les mecs. Le jeu il est même pas sorti. Les gens ils parlaient mal de Zelda quand ils ont vu le gameplay que moi j'ai même pas vu. Alors que
maintenant que j'ai vu le gameplay, le mec il reste 5 secondes dans la zone du début, vraiment la toute première île du prélude. Il colle des bouts de bois à d'autres bouts de bois. Et en gros, il spoil littéralement 1.0.2 du jeu. Et ça dit putain, Zelda, ils ont foiré le jeu. Oh, j'aime trop ces sanctuaires. Sanctuaire disciple mal ancestral. J'ai rien regardé. Apprends à lire. Ah, ok. Ouais, car j'ai rien regardé. Mais justement, du coup, tu devrais être hypé alors. Apprends à écrire. Apprends à écrire. Ouais, c'est bon, je sais pas lire. Laisse-moi tranquille. Vous savez lire, ça sert à rien. Dans 20-30 ans, il y aura plus de mots. Dans 20-30 ans, il y aura plus de mots. Ça, c'est de l'humour, mec. Dans 20-30 ans, il y aura plus de mots. Il est tard, pardonné. Moi aussi. Moi aussi, pareil de la même chose. Pareil de la même chose. Paris, hey. Chemin filtre. Chemin filtre. J'ai raté. C'est pas grave. Oh, 5 flèches quand même. Mais de toute façon, le loot, je le garde pas. Ah, j'ai pas de flèches, à me dire. C'est pas ce que je voulais faire, merde. Allez, des flèches. Nice. Ouais, c'est la merde là, non? Mais... foncer dans le tas. N'importe quoi. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il ne faut pas laisser les gens raconter n'importe quoi. Il ne faut pas laisser les gens raconter n'importe quoi.
littéralement le sketch de Dieudo. Faut pas les gens raconter n'importe quoi. Là je vais tuer l'archer qui tire des foudres. Avec 5 au flash. J'aurais pu les faire tomber dans le trou, ça aurait été une dinguerie. Merde, je suis trompé. Littéralement, un bouclier bâton. Laissez-moi looter. Il y a des trucs par terre. Moi j'ai découvert le bouclier Sonao. Vas-y, je déteste ce jeu. Et du coup ça fait tomber où? Ça faisait tomber là, j'imagine. J'allais dire maintenant ça donne plus 5 flèches, what the fuck. Mais si ça va. Mais si, joueur de foot, MDR. What the fuck, bro? C'est un regardeur de gens, ça? Un regardeur de gens, j'ai dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais ça, c'est le truc qui fait de la foudre. Et ça c'est quoi? Putain, un truc d'alerte. Ma flèche est même pas retombée, what the fuck. La physique. Vas-y, on va s'arrêter 1h30 quand même. Travailler demain. Saphir, de l'argent. Bon, ça me va. L'argent ça me va toujours. Cette phrase. Non, cette phrase que je viens de lâcher, l'argent ça me va toujours. Cette phrase vraiment. Cinq. On est à un quart de l'objectif. Quand tu veux le jeu. J'avais pas perdu de PV. Ah oui, mais le lance-flamme m'a blessé. Hihihi. 1h20. On pourrait aller vers le bleu, vers ça et le bleu quoi. Et se quitter, bon ami. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'en pense qu'il faut grimper, que c'est chiant. Hein. Ça manque de cailloux qui montent vers le haut quoi.
manque de cailloux du futur. Mais bon. Donc j'aurais pu avancer un peu plus. M'aurait amené au-dessus de ça, mais bon. On n'est pas à ça près. Link, je vais défoncer ta race. Tous les Iliens. Si tu glisses encore avec ton... Je sais pas comment tu fais ce bruit là quoi. Ah, ça vaut la peine. Ça c'est un sanctuaire ça. Ou un autre truc, mais c'est une dalle qu'il faut presser pour qu'il se passe un truc. Oh non! Don't tell me there is a Korok. Ok. A Korok. Moi je suis fatigué donc je vais juste noter les trucs, un peu comme on avait fait dans la plaine d'Hyrule aussi. En se baladant. On repassera les fers. Ouais, en vrai je pense que c'est une bonne idée. Moi je vais continuer par là et noter les choses. Bon là-bas je sais qu'il faut aller. Bon là-bas il y a un mob. On va avoir besoin de... d'aller le voir, en plus un beau gobelin rouge. Si haut dans le ciel. Le dragon. Ah mais c'est le dragon de neige aussi ici. Ah, on pourrait finir sur un dragon de neige et puis on skide mon ami. Ouais on pourrait faire ça. Hein. J'ai l'arc de Linel argenté en plus. Et j'ai une épée de Griog de feu. Il y a moyen de se faire un truc. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Trop grave, matos brisé. Faut que je la garde pour la réparer en vrai celle-là. Vraiment ça a fait ça. Je vais vraiment faire gaffe à ce que je mets sur quoi. Il y a des trucs qui sont pas compatibles en fait simplement. On va le tester et on va... Sinon on va se quitter mon ami. Donc je vais sauvegarder. Et je vais juste y aller. J'ai une bouffe de dégâts et on va voir ce que ça donne. L'idée serait de le faire par plus ou moins ici parce que ce meuble pourrait m'aider ou alors celui qui est là au milieu. Il faut que je l'atteigne avant qu'il arrive. Ouais, nickel. Alors. Je sauvegarde et au pire si ça me plaît pas, je me TP d'ici. Attends. Je suis déjà mort en fait. Ok, prenons le repas de dégâts. Ah, j'ai pas pris le bon. Bon, l'excès niveau 2. Ouais, tant pis, je rebouffe. Hein. Non, c'est ça. S'il vous plaît.
Merde. Ça marche à travers le bâtiment, what the fuck, bro. Mais sérieux, le jeu? Mais c'est un truc de fou, comment sauter ne sert à rien. En fait, c'est le pire bâtiment que j'ai choisi. Parce que j'ai pas de hauteur pour sauter et me mettre en bullet jump. J'ai sauté, le mec il a juste défait son paravoile puis il était au sol. Ok. Ok, ok, c'est le pire bâtiment. Écoute, je vais aller sur celui là-bas qui a l'air mieux. Hein. Quand même celui-là. Pour qu'il me fasse le même coup. Oh putain, quelle zone de merde. Là où j'ai fait le griot de feu, c'était tellement au petit. Oh. Griog des glaces. Oui, c'était un peu bête. Je pensais que ce serait pas assez rapide pour me poser problème. Oh là 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 là, je suis tellement loin. Et j'ai plus d'endu. Pas génial, hein. Oh mon dieu, avec la vitesse intersidéralement nulle du jeu, je réussis même pas à les toucher quoi. Oh mon dieu. Si j'ai pas un truc pour monter en l'air, vraiment. Et c'est gratuit! Je vais réessayer. Il faut que je me place autre part, je pense. J'étais passé loin du truc, hein, mais en fait, ça trigger de loin le glaçon. Oh putain, j'ai tellement mal à la cuisse. Je peux plus rien faire avec. En plus le jeu grésille, oh ça me dégoûte. Ah en plus j'avais même pas
Ma tenue de dégâts, yes. Et je crois que j'avais même pas pris la bouffe de dégâts. Ça fait pas mal de choses, hein. Yo dans le ciel. Ouais, on voit. Alors, c'est pas un endroit plus sympa. Là, je peux la tirer en bas. Hein. Et qu'en bas, il y a un meilleur truc. Je peux grimper toujours au bord de cette falaise et puis sauter de la falaise. Hein. Et où ce con? Voir s'il vient. Voir s'il vient ici. Ouais. Bah, c'est parfait. Ouais, mais sans endu. Sans endu, j'ai pas assez rechargé mon endu. Putain, en plus, il lock la mauvaise, quoi. Mais il est complètement con, mon perso. Oh, Link. Il a encore lock celle de. Je comprends pas comment il lock. Ça m'arrange moi qui me jette à chaque fois en bas de la falaise. Hein. Elle a encore de la... Oh mon dieu quoi. Qui a beaucoup de... Je vais tout violer avec ça maintenant. Du coup c'est pas mal. Du coup on va le faire la prochaine fois et je me ferai des armes de Linel. C'est vraiment que j'y pense, c'est ça que j'aurais dû faire. Ouais mais comment je fais du coup pour m'envoler maintenant? Comment tu fais pour t'envoler dans ce jeu quand tu... Ouais il faudrait que j'ai un... Y'a pas une... Ah putain là-bas y'en a une.
Vous l'avez vu ou pas? Oh mais elle est loin de ouf. Ouais, à part celle que je viens de voir, je vois pas. Oh mon dieu, le blizzard! Oh! Oh mon dieu. Ok, d'accord. Les griocs sont... Ah, ils sont quand même trop stylés, les griocs. C'est quand même trop stylé. Celui de feu avec le Genki Dama de soleil, il était trop bien. Aïe, aïe, aïe. Il était trop bien. Mais du coup, ce serait pas mal que je le combatte à côté de... du truc qui monte. Et putain, il a faim, tu sais, Maelstrom, on aurait dit le chevalier du Zodiac, quoi. Je sais plus dans lequel il crée un tourbillon, comme ça qui... Ouais, non, mais dans Berserk, il y a ça aussi. Où est-ce qu'il y a un... Mais, il y a pas? Je serais sûr d'avoir vu un truc qui montait. Ah, mais peut-être que ça tombe pendant le combat pour que t'en aies un. Mais vu que je suis allé loin... Mais bref, il est tard, moi faut que j'aille me coucher. We'll continue next time. Des bisous. Des bisous la VOD.